Qu'on a rencontré il y a 4 ou 5 ans les frères Cornick dans un festival de musique irlandaise pas très loin de chez nous, on jouait nous aussi. Et puis voilà, des fois c'est l'humain qui compte quoi. Tu rencontres des gens, on a pu rencontrer des Bretons avant, comme Red Gardel ou je sais pas qui, quoi, ou Alain Stivell ou d'autres avec qui on a même fait de la musique, ou on était censé en faire en tout cas, mais il n'y a pas eu, d'amitié quoi. Tandis que là, d'emblée, quoi. D'emblée, on a décollé ensemble, on a rigolé, et on a pensé que... Moi, d'emblée, j'ai dit, ouais, je me mets le nom de ces gens-là derrière la tête. Un jour, je pense qu'on fera un truc ensemble, quoi. C'est sûr que chaque fois que ça a pu, que des rencontres comme ça ont pu marcher autour de nous, c'est... Vraiment, quand on a pu le faire avec des gens avec qui on s'entendait hyper bien et qui étaient capables de comprendre notre humour et de le renvoyer. Donc ça, je pense que c'est vraiment un truc important. Et tous, quoi, que ce soit les filles ou les garçons, on a pu rigoler, quoi, on a pu se rencontrer, s'envoyer des vannes, passer des moments ensemble. Il faut, pour être capable de se supporter pendant presque 10 jours, quoi, il faut vraiment qu'il y ait une grosse amitié. Ah si je prends un souci dans la Bretagne, au grand danger d'être trop celtisé, d'être chouchénisé, par les rêves d'Iviane et de devoir manger que du beurre salé. Nous, les Occitans, on aime bien les joutes. Quoi. Si on veut en fait qu'un échange dure, l'échange, il faut le construire sur des projets. Quoi. C'est-à-dire que si on va là-bas pour expliquer comment c'est ici et inversement, voilà, en un aller-retour, on a terminé. Quoi. On a fait le tour du sujet. Après, ce qui est intéressant, c'est voilà, une fois que chacun a expliqué comment c'était chez lui, voilà, si l'échange se passe bien, si humainement... voilà, il y a des affinités, les gens s'entendent et tout. Là, on a envie de construire des choses en commun. Et du coup, ben voilà, essayer de construire de la musique ensemble. Je pense que la meilleure façon de sauver sa culture, c'est de la métisser. Quoi. Et de la métisser avec... il faut en prendre que de nos cultures, que ce qu'il y a de mieux. Quoi. Le reste, on peut le laisser... Ça peut être oublié, ça n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Quoi. Je pense que de chanter des chansons de bergère, ça a plus grand intérêt dans le monde d'aujourd'hui. Donc on peut très bien chanter des histoires qui concernent le monde actuel. Et le fait de se rencontrer avec des Bretons et qu'on joue ensemble, comme ça qu'on met des paroles sur des musiques qu'on a faites les uns les autres, je pense que ça peut faire bouger énormément la résistance culturelle
ici en France. Quoi.